na bana na biso ba kutika na kombo na pasi. Ina pasi viva. Viva. Le véritable parti du peuple congolais. Tant que le bacasserie de peste l'ancien lettre V. Le véritable parti du peuple congolais. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Le parti le mieux implanté. Le parti le mieux structuré. Le parti le mieux instruit. Le parti de la vérité. Défenseur des droits de l'homme. De l'intégrité territoriale. Porteur du changement en RDC. Et le progrès social. Comme pour dire, ils sont nous. Parce que ici, comme à Kwasangani, madame a catégorisé la Bolingo. Et l'autre est Kamakamango et Zaganini. Et là où il y a Bolingo, les sociales, il y a un mot encore. C'est pas lui demander. Donc, première conséquence, on va parler à la sociale. Il n'a pas été vivant. Viva! Ok. Te voyez, Bissabou. Non pas pour nos intérêts, c'est pour que tout baliser chemin de manière à ce que pas nous avons mis sur le ciment. Babette a dit c'est da 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 da. Va prendre combien de n'appuie pas paya, dingue, va nous mettre sur la boue en paya. Parce que RDC est un mot qui va être il ne peut pas être vivant. Nous avons le droit d'être à l'esprit de ma père, que vous allez le voir au Bolingo. Qui a montré le baka, il ne peut pas être la réconciliation nationale. Il ne peut pas être. Il ne peut pas être vivant. Vivant. Pour le bien. Il ne peut pas être la réconciliation nationale. Il ne peut pas être le bon voisinage. Il ne pèse, c'est la paix totale. Il ne pèse, c'est du travail pour tous. Il ne pèse, c'est le changement. Il ne pèse, c'est la liberté. Et il ne pèse, devait rester comme une référence pour nous. Pourquoi vous avez dit ça? Il y a un monde, ma père, ma salaka, il y a un que, à tête au pays, tout le monde a mis sur la chima, pas dans la SE. Donc, comme il y a un monde, Bandakala, tout le monde, Zambayoki. A vu le mot à Tindi. A vu, maintenant il est temps que l'Afrique décolle à partir de la RDC. De Atinda, est-ce comme frère, A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme M, I comme incontournable. Cela le dit, Fabo Yabichi. F comme frère. F comme frère. A comme ami. T comme tonton. S comme série. H comme M. I comme incontournable. Ma bonne pour la vie, mon bon. Il y a un moment où on a qui n'a donc ce film pour moi qui n'a pas où il y a mission aux armes à pêcher de baisse tant que tu as investiture n'a yé boyoka discours n'a yé attend le même mot que va congolais à l'oubli soldat du peuple yaka tombe au Zambok il y a un aïe aussi bien que l'idée c'est la réconciliation nationale. À l'équipe de l'État permis Bali, à Salitour, il y a tous les 9 voisins. Et on a vu que l'IDPS est le bon voisinage. À quel point il y a eu qu'il est temps que l'Afrique décolle. À Sissi de Bango, à quel point il y a Bango Oyo, Bachala Gamandou qui peut le poser sa bâton. À Yébis Bango,
Il est temps qu'on fasse la paix. Et on a dit que, oh Anna, tu sais que dit Félix a une mission divine pour l'Afrique et pour la RDC. Il est prêt à vivre. Les lots, y est. Toi, tu as fixé l'opinion tant nationale qu'internationale. Bah, et pas être out, et pas être commis, mais pas être aux États-Unis. Et pas être aux OK. La page est déjà tournée. Bon, comment on a IDP chez Sika? IDP, toi, IDP, c'est ma foute, ma foute. IDP, c'est un gamin de vous. IDP, c'est l'ennemi. Il y a deux à la pierre. Il a né demi. Il a né demi. Ici, quand tu vois les gars, au Kouta, il te pèse. Il y a solo, il y a mon solo, il y a l'Ikoukoumaté. Il a pèse l'Ikoukoumaté. Bisous, il te pèse. Des pères fondateurs et l'état des droits a toujours été comparé à un long voyage par train et ce long voyage dont la gare finale est l'état de droit et de démocratie, ce long voyage, disais-je, connaît beaucoup de gares. Ne soyez donc pas étonnés qu'à cette étape, certains de nos compagnons puissent débarquer à la gare présente, parce que n'arrivant pas à s'adapter au rythme du combat pour l'état des droits dans l'avancement historique qu'il doit connaître. Donc, ce n'est pas une métamorphose qui est imprimée à notre parti, mais c'est une évolution. Nengé la ligne à la balobaka. Nzéta mi la bazooka taïsosa la ligne. Yesokola! Kakati bitatu et se kaouki, et tikali, mais nzéte sengeli, koukola. Boete! Boye!
Une épaisse viva. Viva. Une épaisse viva. Viva. Une épaisse viva. 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 À cette étape, avant que nous vous lisions le message de la direction politique, dont j'ai le texte, j'aimerais bien que, comme on dit, à tout honneur, à tout seigneur tout honneur, que le doyen d'entre nous, le doyen d'âge, le secrétaire national, puisse faire ou dire le mot d'introduction de ce message. Monsieur. Et dans les circonstances, il a voulu que nous puissions nous réunir à ce moment-là. C'est lui qui l'avait déjà prévu. Et cela est arrivé. Nous présentons nos excuses pour le retard avec lequel nous avons commencé cette manifestation. Cette manifestation est la poursuite des combats des 13 parlementaires dont venait de dire notre compagnie. Nous avons deux d'entre eux qui sont dans cette salle, je ne sais pas si vous les avez présentés. À la personne des honorables, Paul Gabriel, capitaine Charbani, et François Rossanganguene, qui trouve ici l'expression de notre âme. Avant de commencer, comme je venais de le dire, il y a ceux de ces fondateurs qui sont partis au-delà pour l'éternité et ceux qui sont avec nous. Pour cela, je voudrais pour ceux qui sont partis pour l'éternité que nous puissions garder une minute de silence en l'air de nous. Je sais que dans chaque famille, il peut y avoir des malaises. L'Union pour la démocratie et le progrès social, une des bestes du secrétaire en cycle, il y a des petits malaises, moi je dis bien des petits malaises, que vous constatez ces derniers jours. Mais, qu'il y ait ces malaises, nous ne sommes pas des ennemis. Notre rôle au sein de ce parti, à ma qualité de cofondateur du parti, secrétaire national de ce parti, mes collègues secrétaires nationaux, avec moi, qui voyait que rien n'allait de bon sens dans ce parti, bien que nous sommes au pouvoir. C'est pour cela que nous avons pris cette décision, que moi j'ai qualifiée de salvatrice, pour que nous puissions rappeler les morceaux de tous ceux de nous qui se sont, d'une manière ou d'une autre, nous ont laissé pour votre. Nous venons ici en tant que réconciliateurs
le parti a besoin de restructuration. Nous venons en tant que réconciliateurs. Nous ne sommes pas des ennemis au sein des mêmes partis. Les secrétaires nationaux que vous voyez, au nombre de 44 qui composent l'exécutif national du parti, ont trouvé que rien n'allait avec notre ami et frère qui jusqu'à là est encore aux commandes de ce parti. Nous ne serions pas arrivés à ce stade si jamais il nous considérait et qu'il était à l'écoute. Il y a plus de 2 mois que nous avons fait des démarches pour le rencontrer, pour nous dire ce qui n'allait pas, s'il pouvait revenir au bon sentiment. Mais il n'a pas voulu. C'est pour cela. Des vaillants secrétaires généraux que vous voyez ont pris cette décision qu'ils puissent quitter la tête du parti. Il a trouvé l'IDPS créé. Il est venu. Il n'y avait pas de. Il n'est pas venu par la force. Il est venu volontairement. Alléluia. Et nous voudrions que volontairement qu'il puisse quitter pour que nous puissions. Sortir librement sans chercher qu'il y ait effusion de sang comme il décharge. Nous ne sommes pas des secrétaires. Nous sommes des réconciliateurs et nous voudrions que tout le monde se réconcilie au sein du parti et que nous pouvions aider le président de la République, j'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à conduire ce pays dans la vision de l'IDPS. Voilà, en bref, ce que nous a poussé à faire ce que vous avez constaté. Nous vous remercions pour votre arrivée. Monsieur et madame, c'est monsieur et madame de médias, nous vous remercions que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Je ne vais pas m'indemniser, je ne passe la parole à notre porte-parole, docteur Adrien. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous vous informons que notre point de presse porte sur la situation sécuritaire et sociale du pays, la situation générale au sein de notre parti UDPS Tshisekedi. La situation sécuritaire et sociale. La présidence du parti et l'exécutif national informe l'opinion publique que la mesure exacte de la situation sécuritaire et sociale du pays à travers les millions de combattants qui constituent la base du parti. Tout est mis en œuvre pour l'appui politique nécessaire à l'action du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de la République,
l'ensemble de notre base sera mis à profit quant à ceux. Situation générale du parti. Rappelons qu'en date du 11 juillet 2024 à 16h, nous, présidents du parti, avons pris la décision de retirer notre confiance à M. Augustin Kabuya-Chilumba et de ne plus le reconnaître comme secrétaire général du parti pour les faits lui reprochés tels qu'il est repris dans la déclaration qui a été largement diffusée. En notre qualité d'exécutif national du parti, organe de décision et d'orientation de la politique, notre décision reste confortée par plusieurs cas de jurisprudence tels que, vous vous en souviendrez, la décision de retrait de la signature du président du parti à l'époque à Genève. N'est-ce pas la base qui avait décidé qu'il retire la signature ? Quand il s'est agi de faire partir M. Jean-Marc Kaboun, n'est-ce pas la base qui avait décidé ? Et quand il y a un membre du parti qui s'auto-exclut, n'est-ce pas la base qui entérine ? Voilà la pratique et le modus operandi de l'UDPS, parce qu'à l'UDPS, c'est la pyramide renversée. Le sommet du parti a la charge et l'obligation d'écouter la base et de répondre aux desiderata de la base. Boété. Mesdames et messieurs de la presse, l'UDPS, notre parti, a été créé sur base de l'élan patriotique de ses pères fondateurs pour contrer les actes déviationnistes de M. Mobutu à l'époque, qui étaient caractérisés par la prédation, la mégestion et même une dictature sanguinaire. Aujourd'hui, que nous sommes en bataille pour instaurer l'état de droit, est-ce que nous pouvons tolérer qu'au sein du parti règne la dictature ? Non. Retenez donc que l'UDPS reste un parti uni et indivisible. La contradiction à l'intérieur du parti n'entraîne pas la scission du parti, parce que c'est la majorité, selon la règle de la démocratie, c'est la majorité qui donne l'élan à l'ensemble d'un organisme. Vous êtes, hein? Voilà. À l'UDPS, vous avez la preuve, quand vous écoutez les médias à gauche et à droite, vous entendez tous les messages d'adhésion de la base du parti à travers le monde entier. Parce que, disons-le, nous sommes le seul parti au monde qui a des représentations dans tous les pays du monde. Où était ? Au Kenya, Chine, au Kenya, Japon, au Kenya, Australie. N'arrive pas à attendre la Sanza, il est fait ses amis. Où était ? Les messages qui viennent de partout montre l'adhésion de la base du parti à la décision sanitaire prise par la direction politique pour l'instauration d'un nouvel ordre politique à la tête de la gestion quotidienne du parti. Et cela va sûrement entraîner des modifications et des adaptations à gauche à droite. Pendant que cela va se faire, la gestion quotidienne du parti sera conduite sous la direction du doyen d'âge, le secrétaire national du parti, Maître Boukeni Mengou, Roger Célestin.
mesdames et messieurs de la presse, nous avons appris par la voie des réseaux sociaux que l'honorable Augustin Kabouya, qui reste quand même notre député à l'Assemblée, s'est arrogé le titre et les fonctions de président ad intérim, chose non prévue dans nos statuts, chose ayant entraîné la défenestration de Jean-Marc Kaboun. Est-ce qu'il faut qu'on réitère cette expérience-là? Donc, vous comprenez que les velléités de dictature ont pris racine dans le cœur de notre frère et qu'il fallait cette opération chirurgicale pour arriver à arrêter la gangrène. Raison pour laquelle, comme il a perdu la qualité de secrétaire général, nous l'invitons à la démission. C'est des pratiques honorables dans les institutions qui se respectent. Et l'UDPS, c'est un organisme, c'est une institution qui se respecte et qui veut montrer à l'ensemble de notre peuple d'abord et au monde entier que nous sommes pétris des valeurs de la démocratie, que nous gérons le pays et le parti par les principes de démocratie. Pour nos combattants et même nos partenaires, s'agissant du dossier de gestion des ambitions en cours et du parachèvement du processus de sécurisation des postes revenant à l'UDPS, car nous sommes membres de l'Union sacrée, la nouvelle direction politique, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, appelle à la responsabilité de chacun et à celle de nos partenaires de l'Union sacrée à considérer qu'à dater de ce jour, l'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité d'engager l'UDPS. Yeah.
La présidence du parti est un organe, c'est l'exécutif national du parti. Il est composé du secrétaire, quand en temps normal, il est composé du président du parti, du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et des secrétaires nationaux. Alors, en tant que corps, nous avons un règlement intérieur, la présidence du parti. Et ce règlement intérieur permet d'abord fixe les modalités de prise de décision au sein de l'organe et nous autorise lorsqu'un membre de l'organe viole les statuts ou se rend coupable d'un manquement de le sanctionner. C'est ce qui a été fait dans une réunion convoquée par l'ex-secrétaire général lui-même en personne. Donc, en réalité, c'est une question de dernier réglage. L'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité pour engager l'organe présidence du parti. Voilà. Et donc, toutes les décisions qu'il prend ou qu'il prendra sont nulles et de nul effet. Merci. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je reproche de n'avoir pas réagi très vite, très tôt, par rapport aux griefs que nous portons à. À l'encontre de l'ancien secrétaire général. Voilà. Nous disons que l'UDPS est un parti d'unité, de dialogue. Ce n'est pas à la première erreur qu'on vise la sanction. On a été patient, ouais. On a épuisé toutes les voies de recours internes du parti. On a essayé des médiations, le doyen venait de le dire. Il a passé des mois à solliciter une audience auprès de M. Kabouya, ça n'a pas été fait. Oh, donc, comme vous dites couramment, la patience a des limites. Voilà. Les textes ont été utilisés, exploités. On a utilisé tous les moyens possibles. Et notre ami, notre ancien secrétaire général, n'a pas voulu se plier. Voilà qui nous amène à la démarche d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un repenti tardif. Non, nous avons pris le temps matériel nécessaire pour amener à la raison M. Kabouya, qui continue à s'entêter et donc, comme on vient de vous le dire, c'est la base qui va s'en occuper s'il ne change pas, s'il ne décide pas d'abandonner et de quitter ces fonctions-là. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, comme la question était posée à Lingala, je ne sais pas. Oui, il y a eu plusieurs... je vais parler à Lingala maintenant. Alors, Tikaki Tanyoso. L'ancien secrétaire général Kabouya, Tala Ndenge a géré parti, a gagné un union sacré, a engagé parti. Tomeki go négocié, Tomeki go lakisaye, Tosali même ma commission, y'a gestion à ma mission, Tosali ma mion soyo, Batunaka ta famille, Nagasa Libo Tabasalaka, et puis si résultat, gestion naïe, comportement naïe, et les draps pour coïncider des actions. Maintenant, les copains de Banapache pour témoigner, pour l'Umbashi, il y a quelque chose de facile. Mais je l'appelle Kamigi, Mina Miambia, Milito Kamigi, il est sans Mina Chikiyako, Banatafta pour diviser l'Umbashi en trois fédérations. Milito Kamina Fouata, secrétaire général, ancien secrétaire général Kabouya, Mina Mwenezea, Apana Koufouania, il est qui tout. Lubumbashi est dans 7 communes au Tchangako, dans l'Annex. Mais on va savoir sur Lubumbashi avec quoi. Mais mon échec a pas été diffusé, a pas été. Depuis Turkuya, le président du Canada, on a plus froid, on a plus froid. Ou je suis pime, tu n'as pas ça, on a tous les quoi que tous les. Mes chers amis, c'est très grave. Depuis 9h, Anatoka, vous faites bien, depuis 9h, Anatoka, vous m'avez 16h, minimum. National, Ananyambia, vous faites pour bureau privé. Mais qui? Moi-même, je vais vous montrer.
vile wewe unajua ilikuwa siku nishindo mimi kwaada vile unataka anakamata ile kitu anakifisha leo mimi na neza c'est triste shiba nimeambia paka bila kimbi alitokea alitokea kwati kani bale bako tebe kokule ni baki ama unaona bali ni chakula juu ya kwenda mbele kusumbalesa paka ye ule ule ana fuchika mambo yote hapa hakuna. Il faut noter, il faut enlever toute confusion de votre tête. Comme nous l'avons dit, nous sommes conduits par le doyen d'âge, c'est sous sa houlette que se tiennent les réunions du parti, mais nous avons effectivement un ordre statutaire. C'est ce qui nous a permis de démettre le secrétaire général honoraire Augustin Kabuya. Donc, pour aller au deuxième volet de la question, je pense qu'il ne faut pas nous... Oui, c'est notre, il aura la parole, c'est notre organisation interne comme elle a un caractère juridique. C'est comme ça que j'ai introduit. Alors, également par rapport à la haute autorité de référence, nous ne devons pas la mêler à des affaires qui ne le concernent pas parce que nous sommes responsables. Nous avons, en tant qu'organe présidence du parti, un pouvoir. Tout comme son silence peut être interprété comme une bénédiction. Merci.